Nous allons revenir dans les jours à venir pour dire et rassurer que Pita reste et demeure un rempart pour la lutte, pour la démocratie dans notre pays, pour l'égalité de tout le monde et pour une vie debout et mieux. Ceux qui pensent qu'ils peuvent mentir et passer par Pita, faire semblant, un projet en bas, ça ne passe pas, nulle part, il faut que je sois Pita. Nous, on n'est pas hypocrites. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va faire croire que Pita est en train de marcher vers autre chose. Pita, Pita, non, Pita sera le rempart pour toute velléité de privatiser la position de l'ordre public. Vous pouvez compter sur Pita et les jours à venir, nous ferons parler de vous. Je vous remercie. Le président Cédric Diallo a participé au forum de la Fondation Paul Ibrahim sur la bonne gouvernance qui s'est tenu du 4 au 7 avril dernier à Abidjan. Cette année, la Fondation du milliardaire Congo Soudanais a décidé de choisir un sujet qui tient beaucoup à cœur à notre président, c'est celui des migrations et des perspectives pour la jeunesse africaine. Le président Cédric Diallo a profité de cette occasion pour véhiculer un message de paix, d'unité et de respect de la démocratie. Le président Cédric Diallo a aussi rencontré son ami et grand frère, le président ivoirien Alassane Mama Ouattara. Le président Cédric Diallo a félicité son grand frère pour son leadership et son action à la tête de la société ivoirienne. Alors, il est important de mentionner également que le président Cédric Diallo a rencontré de nombreuses personnalités dont les voix comptent sur la scène africaine et sur la scène internationale. Il a rencontré plusieurs opérateurs économiques, dont l'homme et affaire le plus riche parmi le manier nigérian, l'industriel nigérian du ciment et du pétrole Aliko Dangote. Yeah.
au Burkina Faso et j'étais avec lui à Dakar. Madame Nadia, vous avez entendu, on a plus besoin de démontrer que le président Sénégal d'abord est un grand monsieur qui est respecté, qui est aimé, qui est considéré sur le plan international. À Dakar, le président sénégalais était à la première loge. Il était considéré comme un chef d'État. J'ai été fier. Et croyez-moi que nous avons raison d'être fiers de notre président. Et là, c'est un grand chef. Je le dis souvent, j'ai eu l'occasion, Madame Barra, Memouna, l'occasion de rencontrer Bakibo. J'ai visité avec lui grâce au président sénégalais. Évidemment, nous sommes obligés de parler du prochain mandat de la nouvelle constitution. Je voudrais d'abord ici, au nom de la direction nationale, remercier ce jeune homme qui est venu promener Anata qui prend la décision sur lui-même de faire des t-shirts. Son argent, il fait des t-shirts. C'est un message qu'il nous a passé, c'est un message qu'il a passé au peuple de Guinée. Comme dit le problème de troisième mandat, n'est pas un problème de parti politique. Le problème de troisième mandat n'est pas un problème d'individu. Le problème de troisième mandat, c'est un problème du peuple de Guinée. Et c'est pour cette raison, la société civile et les partis politiques et les syndicats ont formé un fonds qu'on appelle le fonds pour l'alternance, pour la défense de la Constitution. Ce n'est pas une alliance politique. Ce n'est pas un parti politique. Nous sommes tous concernés. Dans ce fond, chacun dans ce pays. Maintenant, c'est qu'il y a pour quelqu'un qui a confiance en lui-même. Quand tu veux faire un référendum, tu n'as pas besoin d'appuyer les gens. Si tu es sûr que ton référendum peut passer, laisse les gens tranquilles. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Koya, ce qui s'est passé à Berlina, ce qui s'est passé à Tarené, et ce qui va se passer à vous à certains moments. Les Guinéens ne veulent pas du troisième mandat. Moi, je m'attendais à ce que le président a envoyé une annonce qu'il veut le troisième mandat. Ce pays n'a pas été financé. Vous savez que M. Accompagné a passé 40 ans de sa vie à lutter avec des militants engagés, les militants du RPG français. M. Accompagné a été un MDC de M. Nassar Kofi, un MDC du PPP. Ça, c'est connu. Les ministres du peuple, aujourd'hui, se retrouvent avec Jean-Paul. Chaque fois que j'imagine qu'on est interrompu, tu viens un combat avec les militants, qui viennent aller au pouvoir, tu commences à élever, et tu arrives au pouvoir, tu regardes parmi les militants de ma personne, et tu t'entoures des militants du peuple. Les 80% des gens entourent M. Afakoni sont des anciens du peuple. Ça, c'est pas tout. Et vous avez remarqué, pour l'heure du troisième mandat, les gens qui en parlent, ce n'est pas les gens qui ont pris la cassette. Les gens qui ont pris la cassette ne veulent pas le troisième mandat. Ceux qui parlent du troisième mandat, ce sont des anciens qui ont trahi dans sa propriété, qui se sont retrouvés avec le chef abonné pour leur une question de poste de responsabilité continue à parler du troisième mandat. Dans un pays normal, comment M. Accompagné peut parler du troisième mandat? Parce qu'une nouvelle constitution, c'est comme un coup d'État. Ça veut dire qu'il n'y a aucune logique.
devenu sa mère où il est devenu papiste. Ça veut dire qu'il faut un militaire pour faire un coup d'État, dire la force sur la Espagne. Comment il va faire? Il va faire une position. Sur quoi il va faire? Nous avons une position. Monsieur a accordé à Petit Serment sur cette position deux fois. À quelques mois de la fin de son mandat, comme ça, il serait puni d'ailleurs, la constitution n'avait pas bien, je veux une constitution. De toute façon, puisque dans la constitution, on va essayer d'avoir un troisième mandat, moi, il me faut une constitution. Et c'est comme ça. Appuyez-vous, plutôt, Macky Sall, quand il est arrivé, il a demandé aux Sénégalais, je ne veux pas un mandat de 5 ans. Je veux même un mandat de 5 ans. Il propose aux Sénégalais un mandat de 5 ans. Mais monsieur Compagnie, lui, il ne dit même pas, on ne dit même pas quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on peut changer la constitution. Tout simplement parce que lui, il faut qu'il ait un troisième mandat, il faut que le chef Compagnie soit un président poulet et qu'il meure. Ce n'est pas possible. Et que le pouvoir, c'est qui monte. J'ai été le Burkina Faso. Le président laisse son parole de Nadia. Était président du Burkina Faso. À 11h, il était le président du Burkina Faso. Il a décidé. À 13h, il était dans le port de l'Église en train de filmer. Parce que le port, les gens ne savent pas c'est quoi le peuple. Personne ne peut arrêter le peuple. Lorsqu'on parlait aujourd'hui, il est en train de prendre Fanta les bouteilles, Fanta avec le père. Il est d'accord. La communication du Soudan, c'est un caniveau pour la vie. Caniveau, il s'est fait. C'est un peu de commande. Vous le testez dans les réseaux sociaux. Faites la liste des gens qui font la promotion du troisième état. Il faut les identifier, les regrouper. Pour que le peuple se rende compte quels sont les ennemis du peuple qui passent. Qui parle de la modification de la constitution, c'est qu'il n'est pas à part, il n'est pas éliminé, il n'est pas éliminé. Il faut les aider. Maintenant, le troisième mandat, honnêtement, moi, j'ai passé la journée avec ça. J'ai le premier à travers la vie. C'est que le document, c'est le fait que tu changes. Dites-moi ce que vous portez, vous allez à Lille. Vous faites des pas de l'or. Faites des pas de l'or. Affichez vos enfants pour pas de l'or. Si on descend au pas de l'or, vous descendez les pas de l'or plus loin. Le peuple de Lille, la Lille nous appartient. Quelqu'un peut nous indiquer ici. Si tu veux le troisième mandat, c'est un problème. Nous ne voulons pas le troisième mandat, nous allons le faire. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Maintenant, je reviens sur la situation des chefs de quartier. Parce que je considère que c'est un sujet important. Nous, il est obligé. Je le dis maintenant et toujours. Pour nous, les chefs de quartier qui sont installés par M. Boulet Condé, par la gouvernance de M. Alpha Condé, ne sont pas des chefs de quartier. Je vous demande de faire la liste des chefs de quartier, des quartiers où nous avons gagné. Nous avons gagné 76 quartiers à Paris. Faites la liste. Nous avons donné un délai à Gouverneur Condé et au gouvernement de Chapa Condé. Si les chefs de quartier ne sont pas installés, nous allons installer les chefs de quartier. On ne peut pas se battre. Faire la campagne. Gagner les quartiers. Et quand décide. Est-ce que vous pouvez accepter?
pour la commune de pour la ville de Conakry. Les 7 communes de la ville de Conakry, nos 76 chefs de quartier seront installés. Les chefs de quartier actuels pour nous ne sont pas chefs de quartier, nous ne le connaissons pas. Nous allons demander là où nous avons gagné, à la commune de Makoto, de Mata, de Bissi, de Makoto et de Makoto, et très rapidement de nous faire la liste. Et j'autorise ici et maintenant les communicants de l'UFDG par rapport à ces chefs de, par rapport au problème de chef de quartier. Écrivez ce que vous voulez, dites à notre nom que nous ne le connaissons pas. Vous avez vu tout à l'heure le député qui est le ménage de Pita, mon cher frère et ami, Bibisou. Il vous a parlé de Pita. Le problème de Pita, ce qui fait mal, c'est que dans le fond et dans la forme, c'est énervant. Dans le fond, comment quelqu'un de réfléchir, qui a un peu dans la tête, peut se lever à parler. Il ne parle pas à ce qu'il dit, à Koussa, à Kaka. Pour dire on va aller remercier le président de la Papouasie, il va à Pita pour aller remercier le président de la Papouasie, tout simplement parce que les réseaux de Capo Mora ont été cassés. Parce que nous avons acheté ça de quoi je. Mais c'est Christ, c'est qui a. Je pense que c'est de la provocation. Mais ce que vous avez vu comme image, c'est une façon de rebouffer l'argent de Michel Fabonné. Parce que les milliards qui ont été engagés. Vous n'avez pas de gens depuis là-bas. Vous avez des fonctionnaires, vous avez des gendarmes, vous avez des policiers, vous avez des élèves habillés en tenue, vous avez des sous-préfets, on les amène. Pita est militarisé en disant Pita est pour Michel Fabonné. Comment on peut demander à Pita? Triste. C'est que quand vous venez à Caporal, vous venez 10 maisons cassées, il y a au moins 7 qui appartiennent au réseau. Et puis déjà des masses. Et on prend des masses, c'est même pour dire je vais aller à Pita. Parce que tout simplement, je vais de la provocation, parce que j'ai les moyens d'avoir des gendarmes, des policiers, je vais aller trouver à M. Fabonné et Pita à partir. La réponse dans une semaine. Dans une semaine, nous allons répondre. Nous allons démontrer qui est qui a fait quoi. Qui est fort, qui n'est pas fort à Pita. Dans une semaine, je vous engage à garantir. Je voudrais, avant de moi, apporter notre justesse totale et inconditionnelle à M. Baptiste Bouba Mangué, qui a chanté le morceau d'Alimopère Pibo. On s'appose d'aller au peuple. Il paraît qu'il y a des artistes
qui doivent organiser quelque chose pour la gouvernance. Mais vous, Bamadi, on refuse d'organiser son conseil. Vous, Bamadi, si tu veux, demain, nous t'offrons la salle de l'UFDG. Et nous allons mobiliser plus de. Combien de personnes vont mobiliser? C'est vrai. Nous allons remplir la salle de l'UFDG de 10 000. Jésus-Christ, vous avez vu le ministre de l'énergie qui se considère comme étant le parrain du président. Nadia, puisque je ne fais pas. En 2011, ce gouvernement a acheté 3 groupes d'hydrogène au Brésil pour une valeur de 140 millions de dollars américains. Les groupes d'hydrogène n'ont jamais fonctionné, même un seul jour. De francs et de dollars américains pour 725 mégawatts. Monsieur le gouverneur, 3 milliards pour 725 mégawatts. Quand vous calculez, ça vous donne à peu près 40 millions pour un mégawatt. Dites-moi, quel est le quartier? Quelle est la ville de la Guinée qui a l'électricité 24 heures? Et ce ministre, au lieu de s'occuper de ça, il devait le parler. Au lieu de s'occuper de ça, il a pour mission d'opposer les communautés. Il ne parle que de communautés. Incapable de leur exister. Même qui est venu, j'ai passé l'année dans notre communauté. À Conakry, je ne parle pas de l'intérêt de l'État. Celui qui est supposé parler de l'islam, supposé parler de Dieu, Dieu qui est promoteur du troisième mandat, le ministre, le secrétaire général de l'Église. Nous sommes des pays. Nous sommes des pays. Donc, je vous demande d'être prêt. Préparez-vous. Préparez les t-shirts. Préparez les pancartes. Quand vous êtes dans un véhicule, si quelqu'un vous parle du troisième mandat, vous dites que vous n'êtes pas pour le troisième mandat. Si vous voulez vous bagarrer, bagarrez-vous.